Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes toujours connectés tout le lundi dès 17h juste à 18h juste, votre mission, le temps de la fin, votre mission DM5 Home Video, votre mission Jesus the King Ministries, Jesus the King Ministry, Christ Roi. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de vous avoir nombreux aujourd'hui dans vos maisons, devant vos petits écrans, devant vos plasmas, devant vos iPads et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct de Olive TV sur Internet. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Merci une fois de plus, une très bonne soirée. Oui, nous allons passer une bonne soirée dans la présence du Seigneur avec le pasteur Joël Longo, le père de JKM. Vraiment, nous sommes Jesus the King Ministry. Nous nous réunissons tous les dimanches à Elephantine Castle. Les adresses sont affichées de 15h juste à 18h juste. Et puis, nous avons nos cultes d'intercession, prière intense, tout le mercredi à Kensington Street, juste en face de Kennington Station, tout le mercredi de 18h30 à 20h juste. Et là-bas aussi, à East London, Dagenham Park, School Road, Church of England. Là, nous nous réunissons tous les dimanches de 10h30 à 13h juste. Et puis, les prières intenses et les enseignements tous les jeudis de 18h juste à 20h. Nous avons le ministère international, mission mondiale pour l'intercession dans la prière. Nous sommes en train de cibler l'univers par la prière de la conférence qui se passe tous les jours, le matin de 6h juste à 7h juste, et puis le soir de 22h juste à 23h juste. Voilà, ce sont des communiqués. Merci, Banana Zambé. Tozongi na lokota na biso, oyo ba botela biso na Congo, RDC notre pays, et que le Seigneur bénisse la RDC et que la paix du Seigneur soit avec tout celui qui est en train d'habiter RDC notre pays, notre terre. To pamboli nzambe, lelo tozongi lisus. Namosai na nzambe, le pasteur Joël Longo. Oui, nous allons développer place haute Sukaki, mais avant ça, une introduction avec l'homme de Dieu. Pour savoir qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui. L'homme de Dieu, oui. L'homme de bien, amen. Le pasteur Joël Longo. Amen. Tu as mis ceci une fois de plus dans l'émission. Merci. Un mot, Nabandeko Bazolandabiso, Oba Sepelaka, Komona Mingi, tout le lundi. Et d'ailleurs, le lundi passé, message Yaki a parti à Afrique. Est-ce que pasteur Joël Longo, Akolekato, Akolekate, tu es très aimé, vous êtes très aimé, Namboka Oopi, dans l'univers Mobimba. Un mot, Nabatoyo. À travers l'homme de Dieu. Amen. Merci Évangile Sedani. Merci. Parce que Nazaki Mutumoro très timide. Je ne parlais pas, mais par la grâce de Dieu, dans la Bible, et vous permettre que Lelo et Joël aient appelé Koloba. Et voilà pourquoi on appelle si Bande Kono son mot Shalom, Shalom, et pas aussi que son manzambé dans l'eau, à Pambo Labino. Lelo n'a l'ingaki vraiment par la grâce de Dieu, mais qu'on parlait sur les quatre principes, ou soit les quatre rôles, où vraiment Christ est avec Nango. Donc, quatre rôles, on a le toko, parler en haut par la grâce de Dieu, et nous avons vraiment à son abisso par son esprit, et permettre que nous se communions et pour la gloire de Dieu, et nous allons abisso. Et na pesimbote, na banekonanga nyoso, parce que moi je les appelle mes frères, mes soeurs, mes amis, mes parents. Il y a JKM, la Dagenham comme la Sud, vraiment, tous la famille, mon nene, ou nous avons basseni, tous zala. Si on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, et pas le but on a un peu de temps, on a une conférence mission mondiale d'évangélisation et d'intercession, on a MMEI, on a une conférence, on a un peu de temps, on a un peu je pense que beaucoup sont surprises et belles, on a un peu de temps, vraiment, à Mikolo vers la fin d'année,
ma surprise est Rosala. Oh, j'ai qu'à maison, bon, ça n'a qui est déjà surprise. Moi, quoi, ça n'a pas été avant tout côté l'émission. Oui, oui, oui. Tout le monde a bon temps, tout vanda, bananzambe, balanda direct. Vraiment. Jusqu'à la fin. Vraiment, merci, merci. Avant, nous avons une surprise auto-réserva qui, bananzambe, peuple de Dieu, il y a JKM Jesus the King Ministry, tout de suite là, avant tout compte, na pasteur Joël. Mais je voudrais vraiment saluer particulièrement. Cette fille, cet enfant, a sépé la ramine, il a mis ça dans tout ça. Donc, chaque fois, on a devant l'écran, on a toujours Danny Mungongo, Danny Mungongo. Vraiment, René Di, ma fille, God bless you a lot, sister René Di, Zambé Apambolo, René Di Mbala, moi, il y a maman, il y a Sarah, vraiment, Zambé Apambolo, il y a un Nandaku. Vraiment, il y a une régie, ce que vous balancez, il y a une surprise, totalement, qu'est-ce qui se passe à JKM? Comment est-ce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ont réagi devant la caméra? Il y a DM5 Home Video. À vous l'antenne, régie, et on se retrouve à tout à l'heure. Shalom. To ye lelo ko pesa to ko bengi sa bande ko nyonso oyo bazana posa ko sale la Nzambe biso to zali JKM branche ya Dagenham vraiment to surtout l'équipe boye za poto bengi sa bino oyo a monike azana sika sambe la bate to pe azali ya lemba na makambo na Nzambe to sale la faux dire te mais le vrai dire. Donc, boya ensemble, boya binonion, so boya et belé, c'est tout ça, mais là, chaque dimanche de 10h30 à 13h, vous en êtes pour nous voir, vous savez, nous sommes dans la dame, tous en avez, nous sommes à la 31. Donc, oh, ils ont ça là que 2014, la date 2015, protocole à 2015, vraiment, nous sommes obligés, il y a que glorifier Nzambé. Pandeko, la femme au ligne Nzambé, quand ça passe à ma lame, on a trace face à l'ibiso. Donc on matin à mon colo à l'élo, tous ceux qui étaient ces symboles là. Mais n'a pas mal ils amènent à 2014. Na oua sali pour na bison à 2014, na JKM va sali tout ma maman minéni. Number one, nous avons beau témoignage. A sali nous avons maman minéni. Après 7 ans, na boti, na kumisin zambi. Na yebi, na 2015, tant au koya, mon colo wana, ça n'a pas fait bako déclaré. Pour na bison, tout au kota, na yebi. 2015 et formidable. Amen. Yes, thank you so much. You are blessed, the children of God all over the world. You are watching us live on DM5 Home Video. I'm here with one of the wonderful sisters in JKM, King Jesus the King Ministry. So she's going to present herself, telling us what exactly the Lord God has done in her life during this year 2013. Hello, sister. Hello. God bless you. Amen. Yes, can you introduce yourself to those who are watching us now? My name is Bidis, and
I'm a member of JKM ministry. Oui. And I'll testify and say that the Lord has done a lot in my life. Yes. Starting from 2014, yeah, the beginning January to the end, and I know He's still going to do more and continue to bless me. Mm-hmm. Abundantly. So what do you want people to expect on the 31st of December, because we got a night vigil? Have you got a word or an invitation to address to the people watching you? A beautiful service will be done. Expect praise and worship to the max, and expect the Lord to continue to bless you. You'll be declaring a lot of things for 2015 and for the years to come along. And that's it. God bless you so much, sister. Right. See you later. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue. La paix soit bien embotté. La combo à Jésus-Christ. Nenge ngawa bino nenge bomoni ngai awa. Na ye juste ko invité bino. Nous avons invité bino, biso nyonso to moni ke anese touché et ezo kené na touché presque à la fin. To bongisi milulu kitoko pona ngana yo. Ndeko. Ko ratete occasion oyo. Occasion oyo, nzamba pesi biso, abateli biso ane mobimba. Tala to komi na fin de l'année. Boyandeko, to sangana na bino elongo. Na kombo ya Kristo, ekozale sengo mingi po to kumisa ye. To songisa ba merci na oya pesi biso, na ane oya abateli biso. Kilti na biso d'adoration, to kosala yango. Ezala na sud na Kennington. Yo mutozali aux alentours ya Dagenham, Ilford, Barking, Ndeko, Yaka. Yaka na Dagenham, culte dominical na biso ezala chaque dimanche de 10h30 à 13h. Hello people, God, my name is Deborah. I fellowship here with my mom at JKM in Dagenham. Come to our service every Sunday from 10:30 to 1 p.m. And also don't forget to come at the end of the month on the 31st of December to our night vigil, so you can be blessed. And that's going to be from 10:30 to 5 a.m. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, Bana Nzambe. Nous sommes là dans la rubrique JKM. JKM, nous sommes à l'église JKM Bisikawapi. Votre serviteur, l'évangéliste Dani, est en train de vrai. Toyaki Susuna, rubrique Yasika, espace témoignage. Alors, j'ai avec moi un frère que vous aimez, un frère que vous connaissez, à se présenter. Et puis, en quelques mots, à Koyeb Sabiso, pourquoi Zali en JKM, Nzambepe, à Salela et Nini, depuis à Zoko Salela Nzambe na 2014. Bonjour mon frère. Bonjour, Nzambe à Pambolayo. Vraiment, aux alliés na micro et na caméra, il y a DM5 Home Video. Juste rapidement, quand on s'est présenté na Bandeko, mais au SBSO en bref, vraiment, Nini Yabolamu ou Nzambe à Salela, on va partager na Moutoussongo la Zolanda Bissolelo. Donc, on a passé, donc, Nzambe, merci. Donc, on a dit, 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 donc c'est frère Benjamin. Oui. Donc on a fait si donc Nzambe merci mingi na ané oyo à salia mingi de pona ngai. Oui. Donc pona donc famille na ngai, en tout cas donc tout ça na kat na JKM. Donc toujours comme Nzambe et longo donc na bande konyoso. Donc toujours benga bino donc le 31 donc décembre. Oui. Donc on a veillé et cosa là donc na kat na JKM donc to bengi bino nyoso tout boya boye bele ko Nzambe azamalamu abatelio abatelinga à battre les missions de tout donc 2000 donc na 2000 na 2014 donc 14 yo à protéger Bissot en tout cas donc il y a un autre Ben Sabino Boya le 31 amen. Donc veuillez et à Kafou donc Nzambe à Zosala donc il y a mené les 4 na Bissot amen. Il y a un Ben Sabino donc Boya Pena Boya Boya Bandego Po Mongunia à Télémi na 2014 yo na décembre yo et à Ramamé Bélé donc on a gagné la Ben Sabino Boya en tout cas donc qui bon mona donc le bon qu'on a Nzambe donc pour ça la 4 na Bino merci na Kombo na Yesu Masia. Merci Topa Molibino na Kombo na Yesu Masia. Nous sommes toujours là na kati ya JKM. Merci bien aimé Nzambe Apambulayo. Amen 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 bala na Nzambe. Na zane sengo mingi ote maliboso la bino nga mama Jean Panda na sanga na kana JKM na Dagenham. Nzambe Apambulayo bino. Tuzane vraiment la biso nene le 31 décembre.
musala ona jika mi lebusu ya sawa. Nzamba sali ya minene, pazo kontine usala ya minene. Tuwebi ke ane o ndenge toko mina suka. Tala nde nzamba bate, nusa sali ya bele bele. 2015, tuwebi ke mzaji, ane moko ya makamwa minene. Nusa wato bengi sibilo ba mama, nyo so mbozana kata east. Boya, boya, liloba ya solo, ezo te ya malakache sika o. E puso ki boye, bino mo bo mona, kina bino kusha. Wata ka vida na ndenge te shanti. Do ya bino, e kusha. Bonjour maman Nabisso. Vraiment Nabalandu bazo tant la biso sikoyo kombono nani pe ozosala nini awa bit ozali wapi. Ana pe sibino mbote bana nzambenga komalanga mama Arlette nazali mwasi ya papa Benjamin kwa. Je tozo samela na kati ya JKM nzambe azosala ya minene kati na église na biso. En tout cas banda to koma ko samela na kati ya JKM nzambe a changer bomo na biso. A changer vie na nga ya mobile na nga ya ndaku na nga en tout cas loboko ya nzambe ezali na kati ya JKM. En tout cas. Merci maman nzambe a pambola yo. Siko na bandeko bazolanda biso pona le 31 décembre. Toyo qui va pécer communiquer toi na veille de prière à munene au ningo ko lo bana bandeko peut-être ba journée le roi le 31 ba vani na bandaku ba kena ba boîte ba kena ba bar ko lo bana bango nini ko benga ba ondene pour ba ko rejoindre biso na culte on a veillé et le roi na lo ba pona jour ya le 31 en tout cas ezali milulu penda ya munene ezali journée au to ko mi san zambe le boko an zambe ko zala to sengi na bandeko o ba na place te o ya ko sanga na journée ya le 31 te ko bozana capacité boyer to kutani na kati ya JKM en tout cas nzambe penda ko zo lokumu na Yesu. Amen nzambe a ko zo lokumu na kombo na Yesu. Shalom shalom peuple de Dieu comme on a maman mami Rachel pona na lingomba ya bana ba nzambe na ko pesa bino mbote pe na ko inviter biso biso nyonso oyo a sepe ni ko sangana biso na kati ya veiller na biso o to zali na yango pona entrée ya année 2015 pona ba témoignage nyonso o nzamba sali pona biso année oyo to so si sakala mingi te nzamba pamboli biso a pamboli ngai a pamboli ndeko a pamboli mabota na biso a tomboli bo nzambe na kati na bomoi na biso yango wana to ko sangana le 31 décembre pona à quel point il est bon, à quel point il est agréable, parce que tous allés ensemble, tous demeurent ensemble dans quatre nages KM, tous collinga, tous sangana, bino et longo, pour la colombe dans Zambie, on a beau la mounionso, pour les alcools, la tête, pour ça la quatre nabiso, y a moins la CPD bongo, tous sangana, bino et longo, mon colouana, les alcools invités, oyo nionso, à côté la invitation, oyo nionso. La image oyo soki o sepeli ko sangana elongo nanga o ko zwa adresse na biso et ka ba de votre écran pe ko sangana biso mokolo wana wana komo ya nzambe e ko kisama mpona to tombola lokomo ya nzambe susu mokolo wana kati na bomoi na biso. Gloire à toi Seigneur Jésus, merci beaucoup. Eh oui, merci, merci. Je crois, l'homme de Dieu. Oui, papa. Comment est-ce que vous ressentez de voir le peuple de Dieu qui se réjouit, tacte la bolamou ya nzambe na ba vie na bango. Avant de côté na message na biso vraiment. Image comment est-ce que vous ressentez en ngoneni et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport ya oyo moni na ba nzambe bazolanda biso. Vraiment na pamboli nzambe pour la tina nango. Na ebike nzambo azama lamu, nzambo asala ka bolamu toujours kat na bomo na biso. Nzambo amon saka toujours makambo bien na vie na biso. Et vraiment, naza surpris parce que nabi kenzamba salaka. Ce qui Joël m'a salagné na kolo ba kenabi, voilà, c'est moi qui ai fait ça. Mais comme ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alors moi, j'ai glorifié Dieu. Na ba vie ba ndeko nyonso bazo témoigner mon na nzambe. Ba bazo lo ba ke nzambe na bango zo continuer ko sala bango. C'est ça le vrai Dieu au biso nyonso. Toza kongumba mais na vraiment ba ndeko na ngai kolo pa mbola bino merci mingi na ba message yo sur vos pensi. Vraiment, en limami pe li bota nzambe, ba sepeli nango. Voilà, c'est ça, papa. Amen, li bota nzambe, ba sepeli nango. Nous passons directement na étape moussousou. La raison pour laquelle nous sommes là encore, l'homme de Dieu, le pasteur Joël, tout de suite, ba texte message est belé. Beaucoup de gens ont appelé par rapport à la rubrique Oyoyo, to ye nango, onkolo a inspiré yo, qu'on parlait de Jésus. Donc, parlons de Jésus, c'est un grand thème qui est tellement vaste, ba te belé, ba lobi, en tout cas, l'homme de Dieu doit rentrer encore. À continuer de sika oyo to sukaki, raison pour laquelle tu sengaki
yo oya sous na plateau pour parler de Jésus-Christ. Mm-hmm. Alors, la fois passée, l'homme de Dieu, nous avions parlé de 24 vieillards. Ouais. Que le bel est que le 24 vieillards rôle na bangona trône, pourquoi ils sont là, même pourquoi l'un de vieillards a été descendu pour consoler les gens. Mm-hmm. Alors, on a vraiment détaillé, bandeko botala kité, l'ordre na www.dm5.video et M. Zadja disponible au côté de la repo, Oyeba, Bissika, Oto, Outi, na place toujours au Kendi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voudrions passer maintenant te parler sur le 4 êtres vivants. Mm. Alors, je fais aussi mes recherches na moni na mukana na Apocalypse, mm. Apocalypse chapitre 4 na verset nango verset 6 parce que nous parlons de Jésus. Alors pour parler de Jésus, il faut avoir la connaissance aussi de la parole de Dieu pour mieux défendre le nom de Jésus. Ouais. Parce que moi, de mon côté, à quoi que défendre Tata Naye, ce qui a été identité à Tata Naye. Donc, il est vraiment conseillé, je suis chrétien, je connais Dieu, je prie, sois prêt de défendre le Dieu que tu pries, à moins que au Sambela Nzambe Yabal. Alors, Apocalypse 4, chapitre 6, et le Bibouye, l'homme de Dieu, pour Nabanda question Nanga Iboso. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y avait quatre êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Oui. L'homme de Dieu. Oui, papa. Qui sont les quatre êtres vivants? Oyo, Bazali, encore Nakatia Tronanzambe. Ok. Parlons qui de 24, maintenant nous parlons de 4 êtres vivants. Merci. Essaye un peu de nous expliquer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les 4 êtres vivants, par la grâce de Dieu, tu as expliqué à moi la Nenginzambe à Rosungabiso. Amen. Parce que tout dépend de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Awa, Bible, Azolo, Belabiso, Likamboa, 4 êtres vivants, c'est-à-dire, on a biqué, donc, question à yo, na thème nanga nanga lo balelo, ezesika moko. Amen. Nanga ba quatre principaux rôles oya Jésus sur la terre. Okay. Parce que tant tous on a ba quatre êtres vivants, tous on a un mystère qui est caché. Or, le mystère des quatre êtres vivants, ce sont les travaux que Jésus devrait accomplir sur la terre. Nanga to bagu la fois passée. Na premier être vivant, le premier être vivant était semblable à un lion. Mm-hmm. Donc, Christ a eu un premier rôle comme un lion. Oui. Deuxième rôle, naye, Balobina Bisso, dans Apocalypse 4, verset 7, Babi, le second être vivant est semblable à un veau. On te dit qu'un veau a zangombe. Donc, Christ a eu un deuxième rôle, naye, comme un veau. Okay. Donc, ça dit comme un taureau. Un taureau. Et troisièmement, Balobi, troisième être vivant à la face d'un homme. Mm. Donc, Jésus a occupé un rôle, il y a homme sur la terre. Mm-hmm. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Oui. Donc, Jésus a occupé un rôle, il y a un aigle. Mm-hmm. Ce que tu redécouvres, il y a surtout un aigle. Oui. Tant que tu as sur les quatre êtres vivants, oui. Tu as les quatre principaux rôles où Jésus a occupé ça sur la terre. Ce que le rôle où il y a un homme qui a évangile. Dans quatre évangiles, au moment où chaque évangile a parlé évangile selon. Il y a un évangile selon Matthieu, évangile selon Marc, évangile selon Luc, évangile selon Jean. Or, dans l'évangile selon Matthieu, Christ est venu pour accomplir le rôle d'un roi. Okay. Parce que ben y a le lion. Or, Matthieu a représenté Jésus comme étant roi. Or, lion, bah, bengiye, le lion de la tribu de Juda. Mm. Le lion, c'est le roi des animaux. Mm. Or, la tribu de Juda n'est pas une promesse de royauté. Et salamaki na mokili oyo. Mm. Parce que le peuple en Zambé, Israël, bah, il dit ça qui en Zambé, a pia bango roi. Alors, ezalaki, et loko moko en Zambé, c'est pela qui n'a moté. Parce que c'est Dieu qui était le roi des enfants d'Israël. Maintenant, tant que c'est un roi, en Zambé, il va wende Saoul. Or, Saoul, azalaki na tribu de royauté te. Et pas les promesses à royauté, mais ça m'a dit la tribu à Saoul. Okay. Saoul a été la tribu à Benjamin. Okay. La tribu à Benjamin, il y a une promesse à royauté. Mm-hmm. C'est pourquoi nous sommes dans le monde que Saoul a désobéi, a tindi Isaïe. Samuel. Nanda quoi Isaïe parce que Dieu a trouvé un homme selon son cœur. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde qui a pouvoir na ye ya bon Zambé avant de savoir ce qu'il n'y a pas à David. Mm-hmm. C'est que David n'est comme qui l'homme selon le cœur de Dieu. Mmh. Or, la promesse à Jacob, tant qu'on a béni Juda, elle dit que yo osa un jeune lion. Mmh. Or, le coup de Juda, c'est un jeune lion, c'est-à-dire pouvoir raison beaucoup à Juda.
Moto oyo akoya comme roi, il faut abîmer la tribu à Juda. Alors, il faut savoir que David, Azaki juif, abîmé la tribu à Juda. Quand il abîmé la tribu à Juda, Jésus-Christ est venu maintenant dans le même tribu pour avoir royauté oya Mokili. Vous êtes dans les colons, à Longolango na Mokili, à Zonga na Longolango na Nicolo. Parce que David, il y a même un avant d'aller dans le trône. Trône en Zambaba qui est affermi pour toujours. Oui. Alors, pour trône à David, il est affermi pour toujours. Il faut Moutou Oyo à vivaka éternellement. Vous comprenez pourquoi? Oui. Moutou à vivre éternellement, c'est lui qui est capable de prendre maintenant possession. Il y a trône à David. Il y a un Zamba qui était royauté, qui était dans le ciel. Nzamba qui est zonga na Nicolo. Il y a un Christ à Yaki pour récupérer royauté au peuple Israël à Sengaki. Qui s'est aillé en tant que roi à récupérer en Azongi Nango, Yango Matia Bengiye, roi. Somme na Matia et Balbake, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui. Après Babi, le roi David. Mm. Donc c'est là où Christ est venu pour accomplir sa première mission. Donc là, parce que Zana nous, na premier être vivant. Premier être vivant, en tant que lion. Il y a lion. Voilà. Alors, pasteur Joël, toujours dans quatre, on a pendant quatre idées notées parce que émission, nous voudrions vraiment expliquer clairement, lentement et sûrement pour que nous allons comprendre. Amen. Alors, tant que Yesu a été arrêté, à l'obi, mon royaume n'est pas de ce monde, mais royaume n'est pas de l'écolo. Qu'est-ce que Christ voulait analyser? Là, on est Yesu, on a link, on a link, on a royauté à l'écolo en tant que face du lion ou quoi? Ok, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici bas, mais mon royaume est d'en haut. Parce que Ayeba qui aye kozoa pouvoir, oye kouya qui na tribu à Juda. Parce que c'est là où il y avait la promesse du royaume, la promesse de royauté, voilà. Donc aya qui po azo, on a dit que royaume n'a pas à mokiliote. Pour ce qui royaume n'a pas à mokiliote, bolinga bo obéi. Mais bon, n'a pas respecté nga, na nenge na yaki. Mais tellement royaume n'a pas à mokilite. Na yende na zwa royaume ezalaki na tribu ya Juda. Oyo David babengi Jésus, le prince de David. A Yesu koyo pour azwa royauté wana et qui devrait demeurer éternellement. Okay. Donc voilà pourquoi le bail que mon royaume n'est pas d'ici bas, mais c'est d'en haut. Yango ya ki ko tali sa biso seulement que aye ko zwa pouvoir. O ezali na maboko ya mutu. En tout cas, merci l'homme de Dieu. Pour nous soutenir, nous sommes toujours dans les quatre êtres vivants. Amen. Parce qu'au salut synthèse, il y a les quatre êtres vivants par rapport à les quatre évangiles. Voilà. Pour le but, évangile, c'est long. Évangile, c'est long. Donc, ça veut dire que Christ peut être révélé à une personne selon Nenge Yé à Moneli. À quoi peut-on défendre Christ selon l'image de Nenge à Moneli. Effectivement, papa, 1000 serviteurs, un seul verset, 1000 révélations. Mais. Dans le Nabango Nyonso, Christ est mort. Il faut la baser la fondation de Christ. Fondation est à Christ. C'est parce que nous avons dit tangi au. Il y a dit que tu as mal parlé. Non. Moi, j'ai parlé la révélation selon Pasteur Joël. Quand l'évangile Sedani viendra, il doit parler la révélation selon l'évangile Sedani. Même si nous sommes dans le même verset. Parce que Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre. Okay. Alors, l'homme de Dieu, merci vraiment la réponse. Wana. Ça me pousse directement à dire, mais pourquoi se fait-il que quand l'exemple typique, comme je suis avec vous, on peut savoir l'exemple, un autre dans le plateau, le pasteur Joël vient prêcher sur les quatre êtres vivants. Alors, après émission, il y a un autre pasteur qui vient avec pour prêcher sur les quatre êtres vivants, mais il a idée à boucle au Yolobi. Est-ce que Ezali, selon une révélation Yazui, ou bien dans l'intention à boucle au Yolobi pour péter une connaissance Yamouké? Wana Bonzambe Zate. Wana là, je dirais que Bonzambe Zate. Ce qui à côté a les quatre êtres vivants avec une autre révélation. Je suis d'accord, gloire au Seigneur. Mais ce qu'on a une idée que non, parce que Joël a mal parlé. Bien, on a le téléphone, tout solo là. Pourquoi qu'on bébé s'habiter en bas dans Zambé? Bien, on a le téléphone, le passé Joël, et si on a le bac qui bientôt va bien être. Non, moutou. Babi, toko kite. Nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Si on a la connaissance, nous sommes au bac singa. Non, on sait pas là. Que on a ce qu'on a le bac qui est non, n'a qu'au bouc a été. On a zaï ma kamwa kala. Ce n'est plus aujourd'hui. On vient pour compléter tout ça là.
complémentarité à l'évangile pour que le peuple en Zambé soit édifié. Pour que le peuple en Zambé soit édifié. Amen. Merci, Banan Zambé. Mm-hmm. Nous sommes là pour que le peuple de Dieu soit édifié. Yes. L'homme de Dieu, mm-hmm. nous continuons toujours dans la face mm-hmm. du lion. Ouais. Et puis, tu as une idée, et ce qui est là, ou bien on a quelque chose d'autre à ajouter, nous allons relier à Matthieu de Ayaki pour présenter Christ comme roi. Ok. Ce qui est là, c'est que nous avons un peu de rideau à tabernacle. Rideau à tabernacle, il y a quatre couleurs. Il y a un violet, un rouge, un blanc et un bleu. Si vous avez un matière de parler de ces royautés, vous avez une couleur à violet ou une couleur réservée. Dans le bateau élevé, vous avez réservé dans le roi, vous avez réservé dans le mikondi. Alors, même dans le tabernacle, vous avez déjà présenté l'image à Jésus en tant que roi. Pardon pour le. Na voix dans les amours Mikumba. Donc, Jésus, vous avez représenté toujours en tant que roi, même dans la couleur. Vous avez parlé de que Jésus est le roi. D'où, biso bana nzambe. Le loba bengi biso, tozali bana ya le roi des rois. Donc, nous sommes des petits rois. C'est Jésus qui est le grand roi. Maintenant, nous suivons les lignes du grand roi. Pour permettre Bissot, tout en mot là, selon la volonté de Dieu. Merci, pasteur. Donc, voilà. J'ai une question, juste avec Amoutro Lobaona, la couleur du roi. Est-ce que si nous voulons parler de la couleur du roi, mais est-ce que ça aussi permis à un serviteur de Dieu, le col à la couleur du roi, Ezali violet, ah ben le lata, bah complet, bah violet, bah cravate, bah violet, parce que il veut refléter le roi, ou bien dans l'église, au moment où on a kit n'importe quoi spécial, oh bah va voir dans la couleur il y a violet, parce qu'il représente le roi. Donc ça veut dire, le roi, nous sommes de petits rois. Donc à l'église aussi, on se comporte comme des rois, qui est pasteur, à la tête violet. Pour y aller roi, les autres, moi là, tu m'as pémé, rouge, noir. Et ça s'est fait aussi comme ça, le papa Dani, je pense que ma question est vraiment ma question. Moi, Mikumba Mouké, mais je pense que moi, Nanza Menyo Soyebi, et la mbato là, tu as un pour Tommy Koumissa. Parce que la mère, on peut se mettre orgueil. Donc là, tu as un violet, là, tu as une position normale. Mais quand tu as un peu de manette, tu top, il y a un peu parce que tu as dit que violet, ils ont représenté Christ. Mais il y a un peu de sainteté. Ce n'est pas ça la sainteté. Okay. La sainteté, c'est le cœur et les actes. En tout cas. Merci, l'homme de Dieu. Raison pour laquelle nous avons une question, parce que l'émission Oyoyo, c'est une émission de vérité. Amen. Et surtout, Jesus the King Ministry, ils allaient espace au Tobi, end of time. Yes. Espace, il y a temps de la fin. On a même le logo, ils ont que le barco préparer l'église pour l'enlèvement. Yes. Alors, ceux qui sont en Zambé, ils ont la connaissance de ma cambote, ils ont un peu de bungi, ils Pasteur Joël, entre parenthèses, pourquoi Jesus the King Ministry? Gloire au Seigneur Jésus. Jesus the King Ministry. Donc, l'église internationale de la repentance, l'église internationale des multimillionnaires, l'église dédiée. Pourquoi vous prenez Jesus the King Ministry? On a une inspiration pour la paix de Bissot, mais d'abord, sur la zone où on a source, Bissot, tu as un Christ et roi. Donc, Bissot, tu as un Christ et roi. Quand on a un peu de temps, on a un pasteur Elim Bizidia, la ministre de l'Angola, sur la Nangaï. Papa, koko na ngai, kola pambola yo. Et yende moutou a bimisi papa na ngai ya molimo, le pasteur Mpiabungu Miracle. Donc, yé a outi na église Christ et roi. Tant ou papa a bimisi yé, a keko sa la branche msou na massine na quartier 3, parce que l'église est là na quartier 1. Oui. Papa keko sa la église na massine na quartier 3, il a amené le nom de Christ et roi. Tant ou a memi ango, a zo continue ko sa la, a bimite na vision, il est dans la vision, il travaille selon le mandat ya papa na yé. Na peta on a bandi musala na bi non il faut là dans exemple papa na ngai et ça le col a te porter combo ya famille nenge koko lobai na nga parce que na kutra ngene na ngola ta on a kendaki c'était pour la première fois na monaye alors il a prié aussi pour moi donc nous avons pas le papa na ngi mingi. Amen. Donc c'est pourquoi tant to yé à en Angleterre to bonne ni nzambe to bi seigneur to garder éthique na biso mais à to en Angleterre to benga manani nzamba lo bi Christ est roi Jesus the King. Alors, vous êtes maintenant Jesus the King Ministry. Donc, cela veut dire, je suis le roi dans votre ministère. Donc, il y a un peu de JKM qui a adopté un système qui a adjoint. Donc, il y a un adjoint, Jésus est titulaire. Donc, il y a un peu de travail, nous sommes des adjoints, c'est Christ et Jésus qui est le titulaire. Voilà pourquoi tu dis Jesus the King Ministry. Donc, Jésus est le roi dans notre ministère. Amen. Jésus est le roi dans notre ministère. Nous sommes toujours, ben dans un métro, parler toujours dans quatre êtres vivants. Amen. Parce qu'on relie les quatre êtres vivants dans quatre évangiles. Ouais. Évangile selon Matthieu. Alors, Matthieu a présenté Christ comme lion. Ouais. Et aujourd'hui, l'évangile selon pasteur Joël Lomo. Jesus
de King Ministry, ils ont représenté Christ comme qui préparation y a bana na nzambe bazoya pour église etonda okoma na bato ebele okoma na ba 5 10000 personnes to objectif non peso dobi pasteur Joël l'évangile selon pasteur Joël Longo Christ osons représenter comme qui gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que évangile selon Jean, selon Luc, selon Matthieu, selon Marc ba totalisa ba évangile selon alors moi je parle selon la vision. OK, ouais, donc pasteur Joël parle selon la vision de JKM. Vision à JKM, ils allaient préparer l'église pour l'enlèvement. Donc, Tozan a besoin y a ba âme. Tozan a besoin y a ba touté, mais Tozan a besoin y a ba âme. Parce que ils ont différents à battre na ba âme. Sauf que Tozan a besoin y a battre. Battre par quoi y a na bango ebélé bazali, mais bonzambe zaté. Mais quand nous parlons des âmes de Dieu, ba oh ba yaka, attends zala qui païen. Mais ceux qui ont âme. Parce que bits na biso za to préparer batu ba kota bokonza likolo. Alors pour ba kota bokonza likolo to ko bwa ka bangoti. To za na besoin ya batu wana ba ya ba koma ba am pour ba kota na bokonza likolo. Donc ce que nous voulons de préparer une église glorieuse, une église oyo ekosepe sa nzambe pour aimer ma batu na royaume éternel. Donc voilà, tina na biso na JKM doté un message oyo et comme ma batuna bokonza likolo. Voilà pourquoi mona il y a des fois message monsieur Zobima muto comprendre mais pourquoi il a parlé ceci, pourquoi il a parlé cela. I will outline a few and I say you know what then I'm going to juif ba saisir yé. Donc lokola lelo boyé nzamba pe sur mission wana to côté ya oyé ko zongisa bana nzambe na nzela et non oyé to ko égaré bango pembeni mais po ba zonga na nzela lobi bango na bokonza likolo. Amen, amen. Je crois na régie na sengi na bande ko na régie aujourd'hui nous ne recevons pas les appels mais ndeko nyonso o alingi a participer na mission tine la biso text message donc to sengi régie please if you can remove the call now. Nous avons un text live. Donc, text live, na numéro Oezaluana. Comme ça, nous continuons. Nous avons une question. Na yo, text live, le pasteur Joël Longo est là avec nous sur le plateau pour répondre à la question. Na yo. Donc, Régis, bah, call now. Bah, text live now. Thank you so much. L'homme de Dieu, le pasteur Joël, tu continues sous. La Bible me dit ceci. Deuxième être vivant, il a un visage semblable à un veau. Papa, info tu as dit que Zali nyama oyoyo bana Israël ba koma ko ngumba melatango Moïse akenaki na ngumba kokuta na na nzambe ko sola po aya na 10 commandements. Vo esa signe adoration. Ya koko esa esa idolatrie. Ko comment est-ce que être vivant a koko zo elongi semblable ya vo? Qu'est-ce qui est caché derrière ce mystère? Gloire au Seigneur Jésus. Je pense que bango ba ngumba melaki vo ba koma ko adorer vo d'or ya ekeko. Mais awa sukoyo tozolo bela vo oyo azongumba melanzambe. OK. Omoni les quatre êtres vivants, sorry, les quatre êtres vivants lelo soki ba être wana. Ba bimi bona mokili. Je ne pense pas que tout le monde a ba tonanze là. Parce que baza rempli na misu partout liboso tina sima. Baza na misu. Alors tokende rapidement. Deuxième être vivant image ya vo. Or le vo c'est un taureau. Et lokoni nzambe a réservé son na quatre wana comme un mystère. Vo azan nyama o azo permettre pour un sacrifice. Donc muto azan mbongo ebele akoki jamais ko na sacrifice amuke. Akoki jamais ko na tabako ko na memete pigeonté mais il faut même vo pour elaksake azan mozui. C'est que Jésus-Christ est comme vo de Dieu. Dieu qui est rempli de la richesse. O azan mukonza biloko nyonso. Il fallait qu'il a pia biso Jésus comme sacrifice. Il y a un qui a et longi a vo. Na quatre êtres vivants, tout le monde a mokoza na face d'un vo et présenté son Jésus tant qu'il y a na mokili à cause de la sacrifice ya nzambe. Pour permettre biso masumu et longwa. Makila na esko yo ezipa masumu te mais et longo la masumu na biso. Yango to relier ye mbala moko na évangile à Marc. Marc a bengé comme serviteur. Or ayé po a servir biso makila na ye. Ayé te po ba servir ye. Mais pour y a servir biso makila na ye esopana yango mon niveau il faut battre na hôtel pour ba bomaye makile sopana et mbeke matalikolo et matalikolo nzamba gre yango et voilà pourquoi Jésus aussi devrait monter sur les bois
et permettre ba bete ba sete makile tanga abi ma sacrifice ya nzambe non comme les sacrifices brûlés par le feu mais par les sacrifices de la croix amata na croix là où il y avait la malédiction. Maintenant qu'on ne compte plus la malédiction mais Jésus a pris notre malédiction pour qu'il y ait comme ma malédiction et biso to comme une bénédiction de Dieu. Pour to comme maintenant agréable à l'Éternel, il faut un sacrifice, il faut un taureau de Dieu. Donc voilà pourquoi parmi les 24 et parmi les 4 êtres vivants, l'un d'eux avait la face d'un veau pour présenter biso Jésus comme sacrifice. Yango se to kimi mbangu na rido tabernacle to comme na couleur rouge. Couleur rouge, c'est l'exception déjà. Makila, les sacrifices de Jésus. Yango Marc a présenté Jésus na image à être vivant ya vo a koya ko servir so makila na ye o Moïse a tchaki comme couleur rouge na rideau ya tabernacle pour biso lelo to trouver sali. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas le pardon du péché. Voilà. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas le pardon du péché. Amen. Pasteur Joël, tous outils na couleur il y a violet, aux alliés couleur du roi, tous outils na couleur rouge. Yes. Est-ce que ça permet à homme de Dieu peut qu'on symboliser la couleur roi na peut-être na ba toge mon homme tout ça qui a celle-ci toge na ye na ba couleur du roi na couleur rouge ose symboliser les quatre êtres vivants. En tout cas, je dirais que ça selon inspiration na ye. Selon que Nzamba révélé à ça là, à ça là. C'est pas un problème. OK. Kolo Azolokou, ce n'est pas un problème. Donc, ce sont les dires du pasteur Joël Longo. Donc, moi, votre serviteur, DM5 Home Video, je suis innocent. Ma question, car à l'Ilemoutou, et Zoroya. Innocent dans ma camboyo. Vraiment, l'homme de Dieu, oui, papa. Par faute de temps, toi qui m'allais, mais si tu as plutôt parlé, troisième être vivant. Bible Lobby, parce que nous faisons une mission chrétienne et nous voulons nous appuyer vraiment sur la parole de Dieu. Au lieu que tout n'a qu'à des questions autres ont ramassées à la rue, mais nous posons des questions qui viennent, qui sont soutirées dans la Bible. Amen. Balobi Awawa, le troisième avait la face d'un homme. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Gloire au Seigneur Jésus. Troisième être vivant a la face d'un homme. Pourquoi? Pourquoi? Voilà ce que nous avons dans Esaïe 9, 5. Et le bini, papa. Un enfant nous est né. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui est né maintenant. Oui. Donc, il doit venir aussi en tant qu'homme sur la terre. Il y a même quelque part, on a habité dans le verset moi, lobby. Nous avons un médiateur entre Dieu le Père, Jésus-Christ, c'est homme. Babengi est homme. Donc, Ayakipe, na face ya moto. Il est venu dans le monde 100% homme, 100% Dieu. Là maintenant, il a utilisé au tobengi na français les proches parents. Donc azala pemeni na biso. To mona ye boyi. To lia na ye, to melana ye, to sepela na ye. To mona bolamu na ye. Il était un homme sur la terre. Yango pe fola ki être vivant moko a représenté biso face d'un homme. Maintenant tant au kitana se, il sera un homme parfait. Yango lik azo déclaré ye que homme hein, parfait. Ce qu'on dit accusation à Jésus devant Pilate. Alors, il n'a interrogé Moutou Oyo. N'a monia ta eloko moko ya mabe boza ko akize ye te. Donc, a déclaré comme un homme parfait. Donc, il est un homme parfait qui ne connaît pas de péché. Donc, à ça, le soumouté, bozo founda ye pour rien. Donc, alors, Christ est venu en tant que l'homme sur la terre pour akoufe la nana yo. A comme approche par an abisso, a zo ma soumou nabisso, ba bete ba sete ne koulousou. Et permettre que tout le monde appelle moto. Ici, on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas Dieu, mais on voit un homme, la personne de Jésus, comme étant un homme comme toi et moi. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Jésus-Christ est venu selon l'image qu'il avait déclarée. Créons l'homme à notre image. Mais il est venu à l'image de l'homme. Pour notre hôtel, c'est que la valeur sur cette terre se trouve dans l'homme. Comme la valeur se trouve dans l'homme, Jésus ne pouvait pas apporter biso nzoto nyama, il y a baleine, il y a ngubu, abimé biso bo Jésus wana non, muta onimasate. Mais il a pris le corps de l'homme. Yango le bina Isaïe, tu m'as formé un corps. Or un corps c'est l'homme qui a le corps. Tout ça n'a pas corps ba animaux oui, mais le corps que Dieu a besoin, c'est le corps de l'homme. Yango Jésus aussi était venu en tant qu'homme. Si vous avez fait un tabernacle, tout le monde a couleur blanc. Ok. La couleur blanc était là.
qui représente Jésus-Christ, c'est un homme parfait, un homme sans péché. Donc, couleur blanc, ils ont représenté Jésus, un homme parfait, un homme sans péché, un homme. Donc, je ne sais quoi dire. Vraiment un homme parfait, un homme de mon cœur. Super parfait. Super parfait donc, tout. C'est Jésus-Christ qui est le seul homme parfait. Le seul homme, papa, je l'aime beaucoup dans mon cœur. Amen, amen. Gloire vraiment, l'homme de Dieu, si je peux me permettre d'avoir le téléphone, parce que Tomoni, moi, quelques messages et côté, donc, quand on a peut-être une ou deux textes, messages, avant que tu clores l'émission, il y a émission, c'est pour éclaircir vraiment la parole de Dieu. Donc, thème Nabiso, il y a émission Oyoyo. Nous sommes toujours dans le thème Nabiso Oto Bengi. Parlons de Jésus. Parlons de Jésus, nous le développons dans l'angle ébélé. Tous les côtés, Mozindo, il y a Maloba Nanzambe. Ceux qui ont la possession, il y a émission Oyoyo. Vraiment, le DVD sont disponibles. Et puis, au côté, dans www.dm5homevideo.com, déjà émission, vous allez disponible. Dans pourquoi il y a Lelo. Homme de Dieu. En conclusion, tu es un être vivant, Moko. Ouais. Question de ce que Moko est Zaboui. Alors, les quatre êtres vivants, ils ont représenté ce qu'on a dit, ou dans la trône en Zambie. Parce que Moko a une représentation, ou ils ont une représentation. Le rôle de Moko, c'est qu'on a vendu la trône en Zambie. Moko, donc, ce que nous avons quatre, tous les quatre, Moko a une face, ou ils ont une bimisa. C'est quoi? Pourquoi Bazaka Liboso a Nzambe? Pourquoi Bavani na trône en Nzambe? Mais moko na moko a zana image na e o azoko bimisa. Bon, wana ezaba mystère en Nzambe. Ce sont des choses que Dieu a voulu que ça soit ainsi pour la représentation divine de Jésus-Christ. Yango tobi, connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. C'est lui qui est le mystère caché de Dieu. Donc Nzambe a tchaki bango bazala wana pona kolakisa biso makambu oyo ekosala na mokili. Et ça, image Oyo, et ça déjà dans l'écolo. Donc, même les 24 VA, même les 4 êtres vivants, bah, ça, image Oyo, Nzambe a préparé qui déjà, ma kambo ko salama na mokili. Yango, et ça, li, awa na l'écolo. Yango, monique, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oyo, Nzambe, zo sala, et ça, li, sama déjà na préscience na ye, na éternité na ye, et c'est ça, li, sama. Mais là, c'est pas la monique question, moko ya bien aimé na ngai, frère Odo Pamukola Pamola yo. A poser question à Binet de parler sur l'âme. Différence entre une personne et une âme. Je pense que, quand nous avons créé Moutou, Alobi, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire, âme, asa moto, ou asa vivre, na corps, âme, na esprit. Mais, batoumousso sou basa sou na ba âme te, yango Christ Alobi, beaucoup sont morts, quoi que vivant. Ponani, âme na eba si ba bimi sango. À comment en captivité quelque part. Bakanga na prison satanique. Yango na lobaka tout moment. J'apprécie les hommes de Dieu qui prêchent sur la délivrance parce que ba yebi ba système onyoso. Ama mutu basi bakanga ngo bo mona mutu boyeme, ame za la susuté. À comment homme na esprit, esprit azo permettre à vivre. Mais ama sia ke na captivité. Pour la ligne vie à péché tonda. Makambe tonda. Makambo nyoso oza comme péché, le père du mensonge c'est le diable. Or, quelqu'un qui accomplit les œuvres sataniques, a déjà dans la prison satanique. Yangwana, il faut que nous récupérions un mois dans la délivrance. To bengaye azonga na vie. C'est-à-dire, tant que zonga na vie, alati sous nous autres naye. Yango mona mutu a perdu qui connaissance, aye ko zonga normal a dit, oh, nous zonga na sina bunga nzela. Si go na zonga nzela. Nazalaka mokufi, si go na sekou. Yango moni mutu aloba, tant que nazaki mutu masumu, nazalaki mokufi. Mais tant que nayebi yesu, nazongi na bomo, c'est-à-dire, am naye. Ko azongi katinaye, yango to sa différence entre l'âme et une personne. En tout cas, merci beaucoup, Bravo, Papa Odon Pambo, le dépositaire. Kolo Apambo, la question au Tuni. Et puis, l'homme de Dieu, tant qu'on répond à la question là, directement, je sens vraiment en moi, au Lilubezo, qu'il y a que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Qui mourra, oui, donc, la Bible, le but est que le corps qui pêche, c'est le corps qui mourra. Donc, nous autres, c'est l'âme de la personne qui est au Kineko Samba. C'est ça. Nous autres, au Samba, c'est ça. C'est ça. Or, aigle, Abi, aigle qui vole. Or, Jésus sur la terre,
il était 100% homme, 100% Dieu. Oui. Maintenant, tant que tu as dit en évangile à Jean, oui. au moins les gens ont parlé de Jésus directement en tant que Dieu. Oui. Alors, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui t'a dit parole, Luana, ton longoli au commencement était la parole. Ton su combat Jésus, tu tiens à Katina, ça l'amour rapidement. Vous allez comprendre. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. En Jésus était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui t'a su est Alpha et Oméga. Alpha était avec Dieu, Dieu était avec Alpha. Donc, Wana to fungolango semaine prochaine. On continue sur la musique. Il y a Alpha au commencement. Jésus. En tout cas, next week, Banzambe, bon manquete, nous sommes toujours là. To seni na bande konyoso. Vraiment, bah détail yangoana. Bon support, biso espace aux alliés abino. Aux alliés comme mema, bah révélation, aux alliés comme mema, au fongo la Bible, parlons de Jésus. Donc merci na Banzambe, tout au bas aux alliés supporter espace JKM Banzambe Pambola Bino. On se retrouve le lundi prochain. 18h. Bye. C'est Objectif TV Sky 594.